l'univers geek prend quasiment toute la place en ce moment dans ma vie parce que les geeks, c'est des passionnés. C'est autant, genre, oui, la techno, comme les imprimantes 3D, que, genre, jouer à des jeux de société, des jeux vidéo, la culture populaire, la musique. J'ai été beaucoup découragée par le milieu du cinéma dans les dernières années parce que c'était peut-être... C'était, je pense que je m'avais montré ça comme un beau rêve dans ma tête, mais puis je me rapprochais de ce rêve-là. C'était moins une si belle réalité que ça. Puis finalement, j'ai comme découvert que l'imaginaire pouvait venir d'ailleurs que du cinéma. Je décrirais mon style très duct tape. C'est pas mal mon style de comment je filme tout parce que je fais toujours tout seul. Puis j'ai toujours filmé avec des éclairages que je trouvais dans les magasins, dans les cacailleries ou tout ça, puis qu'on finissait par arranger pour que ça ait l'air super beau. Puis encore aujourd'hui, c'est encore ceux-là mes meilleurs spots d'éclairage que j'utilise encore. Mais c'est ça. Tout ce que je fais, c'est vraiment très... je prends ce que j'ai sur les lieux, puis je tourne. J'ai grandi dans une famille... dans la meilleure des familles qu'on peut grandir, là, à Saint-Anne-des-Monts, en Gaspésie, puis avec des parents qui étaient autant des passionnés que moi, à leur façon. Fait que dès mon plus jeune âge, j'ai été encouragée à faire ce que je voulais faire, en fait, là. Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai commencé à faire des contrats, genre, des gros vidéos à genre 100 piastres. Genre, puis à l'époque, c'était beaucoup d'argent, là. Même au secondaire, les gens m'engageaient pour tourner du corpo, puis là, je gagnais ma vie à faire des vidéos, puis ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. 2019, là, j'avais atteint le bout du bout, là, puis tu le sens... C'est pas juste mentalement, là, c'est physiquement là, que ton corps il veut même plus genre toucher à une caméra. Là. Fait que je suis arrivée à ce point-là. Le fait que oui, finalement, le cinéma, c'était peut-être pas un beau milieu de travail comme je l'espérais. Puis j'ai pris des contrats qui ont été vraiment difficiles puis qui ont pas eu des belles fins. Fait que l'accumulation de plein d'affaires. Là. C'était beaucoup des entrepreneurs avec qui j'ai travaillé. Puis ça m'a permis d'apprendre à connaître, en fait, genre vraiment tout le milieu. Le milieu ici est tellement petit, des entrepreneurs aussi. Fait que j'ai comme eu la piqûre pour l'entrepreneuriat. L'année passée, c'était ma plus grosse année de cinéaste. J'avais genre les plus gros contrats ever, là. Puis finalement, genre 13 mars, tout est tombé à l'eau. Fait que j'ai pris le temps de m'asseoir puis de travailler justement sur un projet d'entreprise que je voulais faire, là. Fait qu'il fallait que je trouve une job qui me permettait de faire plein d'affaires. C'est comme un genre de cheat code pour le reste de ma vie, genre. Puis c'est là qu'est né Projet Sequoia, une entreprise de création d'artisanat technologique, un beau mot qu'on a inventé. J'avais lu dans un livre qui disait que les choses que tu fais pendant que tu procrastines et que tu devrais faire tes vraies affaires, c'est peut-être l'affaire que tu devrais faire tous les jours. Fait que c'est un peu ça que j'ai fait. Habituellement, je commence par un dessin
Qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est un autre contrat aussi de modélisation de. Je commence par un dessin approximatif avec des mesures approximatives. Puis après ça, je pars de ces mesures-là, puis je m'en vais dans mon logiciel 3D pour faire la modélisation du petit déconstruit. En fait, beaucoup de choses que j'ai appris en faisant du cinéma qui me servent là aujourd'hui là. Puis je pense que c'est ça qui me distingue en plus dans l'entreprise, puis pour ça qu'on a eu beaucoup de visibilité parce que les gens remarquent, tu sais, qu'on a des belles photos, qu'on a des beaux vidéos, qu'on a du beau graphisme, là. Fait que c'est ça, c'est notre marque de commerce, là. Je me suis glacée aussi dans les vidéos qu'on a faites à Noël, j'essaie de les retrouver, là. On dirait qu'après un an sans rien tourner, toute mon énergie de cinéma c'est genre tout garoché sur genre deux pubs. Ils sont vraiment too much, mais c'est pas grave. Ça fallait canaliser tout ça. J'ai jamais écouté tant que ça du cinéma. Mon cinéma vient de YouTube. T'sais. Toute mon influence vient de là, puis on dirait que c'est poche à dire dans le milieu. Pour ça, je me suis toujours sentie un peu à part des autres réalisateurs parce que j'avais pas nécessairement toutes les mêmes références. Tout ce que j'ai appris vient de là. Je suis autodidacte dans tout. Si j'ai une question, il y a un tutoriel sur YouTube. Fait que c'est. En fait, toute mon éducation vient de là. Fait que c'est ça. Pour moi, le cinéma, quand je l'écoutais, c'était pour décrocher de la vraie vie. Fait que j'ai vraiment aucune envie de tourner des choses qui se rapprochent de la vraie vie. C'est vraiment ce qui m'attire de faire quelque chose de complètement différent, là, de genre, justement. Là. Corriger, en fait, c'est un micro-projet qui est devenu plus grand que ce qu'il devait être. C'est simplement ma conjointe qui était prof de français puis qui corrigeait non-stop, genre tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Puis à leur gala de fin d'année à son école, on a décidé d'écrire quelque chose qui tournait autour de ça. Puis ça a été tellement une grosse surprise, ça s'est relancé sur les réseaux sociaux, puis je pense qu'en 24 heures, on a eu 30 000 vues, là. Fait que c'est un bel exemple de ce que j'ai le goût de faire, là, faire rire les gens, faire l'imaginaire, puis satirique un peu. Là. Bon, OK, c'est terminé. Je ramasse les copies. Voilà, c'est quand je vais avoir ma note? Quand je vais avoir fini de corriger. Allez, voir fini de corriger pour demain. Laisse-moi une petite chance un petit peu quand même.
On veut notre festival, fait qu'ils ont dit, ben nous, ce qu'on a, c'est du vent, fait qu'on va faire un festival de cerf-volant. Puis l'année qu'ils l'ont fait, ils ont dû annuler le gros événement parce qu'ils vendaient trop. Fait que c'est ça. Wow. Ça va pas long, 4? Attends. Attends, je vais te filmer. C'est un peu cliché de dire que ça prend tout un village pour faire grandir un enfant, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti d'ici. Dès tout jeune, tu sais, mon grand-père connaissait tout le monde, puis on se promenait partout, puis il était impliqué dans un million d'organisations différentes, puis avec ça, tu sais, je me suis promenée, puis j'ai vu des gens avec lui, puis quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à faire du vidéo, les gens étaient donc bien fiers, puis là, ça paraissait à chaque fois dans le journal local, fait que là, les gens m'en parlaient tout le temps. Fait que non, je pense que je suis quand même fière de venir d'ici, là, pour tous ces gens-là. Le cinéma a commencé de la même façon que la musique a commencé, c'est genre étant jeune, mon père en jouait beaucoup aussi. Là. Dans ma famille, tout le monde joue de la musique. Les parties de Noël, là, c'est des gros bands. Là. Il y a plus de monde derrière le micro qu'en avant pour écouter, ce qui est très drôle. Mylène, je crois que je l'avais vue. J'étais caméraman pour la télé communautaire, puis je l'avais vue chanter dans un spectacle, puis je trouvais donc bien qu'elle chantait. Bien, tu sais, comme mieux que n'importe qui que j'avais jamais entendu. Puis là, j'ai dit, ah, ce serait mon rêve de travailler avec elle un jour. Puis je l'ai comme ajouté sur Facebook. Puis j'ai vu qu'elle avait passé une annonce, puis elle cherchait un graphiste pour faire un album. Fait que je me suis présentée. On s'est rencontrés, puis au même moment, elle m'a dit qu'elle cherchait des musiciens. Fait que j'ai dit, ben, en tout cas, si jamais, je peux peut-être boucher un trou le temps d'un spectacle. Puis finalement, elle a créé un band juste de filles. Là, on était 5 filles. Ironiquement, même si ça faisait déjà 3 ans que je faisais de la musique avec Mylène, on n'avait jamais tourné de vidéoclip. Puis l'album était déjà sorti depuis 1 an et demi, presque, fait que là, il fallait tourner quelque chose. Un matin, je me suis levée, il y avait de la brume. J'ai dit, Mylène, on tourne là. On est monté à Méchain, puis on a tourné sa perfo. Puis quelques jours après, on a tourné toutes les shots, en fait, les shots variés. Là, vraiment, on a inventé au fur et à mesure. Là. C'était la vibe que Mylène voulait avoir. C'était vraiment ça que c'est sur quoi Mylène comptait, c'était la vibe là, qu'on a transmis dans la vidéo. Là. Tu vas revenir parce que quand tu danses.
j'aime beaucoup faire de l'éclairage puis de la direction photo. Puis les vidéoclips, c'est là où on peut en fait aller dans le flyer. On peut, on n'éclaire pas pour la vie au quotidien, là. On va dans des trucs un peu plus pétés, là. Ben, Véronique, en fait, elle avait vu mes trucs que j'avais fait il y a des années avec Jeffo, chanteur de Rimouski. Puis elle avait dit, si j'ai une subvention un jour, je vais appeler Sarah. Puis un jour, elle m'a appelé, puis ça a donné que j'étais à Rimouski. Fait que j'ai dit, on se rencontre là. Fait que la même journée, on s'est rencontrés. Puis je pense qu'on a vraiment eu un coup de cœur professionnel, puis aussi amical. Là, Véro s'est rendue une de mes grandes amies. Là, fait que, on s'est pas quittés depuis 5 ans. Là. Avec Rouge, ce qu'on a fait complètement différent que d'habitude, c'est que là, on avait un budget. On savait que Véro voulait pousser un gros vidéoclip. Là. Puis, quelques semaines avant, j'avais rencontré Jean-Gabriel Potier sur un autre plateau, puis on a vraiment eu un coup de foudre. Là. On est des tripeux pareils. Fait que j'ai dit, ah, pourquoi pas on se met 3 tripeux ensemble là, avec Véro, puis on écrit quelque chose là, de hot. Là. On s'amuse. On se donne pas de limites. Fait que c'est de là qu'est né Rouge avec la vibe années 80, là, qu'on aimait les 3 ensemble. Là, fait que, ça. J'ai laissé ma tête sur le plancher de ta chambre, là où la lumière n'entre pas, là où je ne m'entends pas. Noir, un autre verre pour m'engourdir, un autre verre pour oublier que je ne me reconnais plus, que je ne me connais plus ici. Sous ton corps, je me suis abandonnée ici. Et je voudrais retrouver ma tête. Je veux retrouver ma tête et partir. J'ai bien vu tous les signes, les red flags qui défilent l'un à la suite de l'autre, pendant que je camoufle mes yeux noirs. Sache que je ne te laisse rien, sache que tu ne m'as pas brisé. Peut-être tu crus me saisir, mais je n'étais plus que l'ombre de moi-même ici. Je suis en apnée, sous ton corps je me suis abandonnée ici. Je retrouve peu à peu mes esprits, je me retrouve juste assez pour partir.
avait dit, c'est fini, je ne reviens plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait devant chez toi? Toi. Je pense que notre plus grosse force dans l'imaginaire gaspésien, c'est le folklore, en fait. Si j'ai à réaliser le film de ma vie, un jour, ça va être un conte et une légende gaspésienne. Là. On a une belle culture, puis je pense que c'est important de le mettre en image. J'ai un petit phare de la marte aussi. Quand les gens écrivent des films, ils écrivent sur ce qu'ils connaissent, puis si on a toujours juste des films de gens qui habite dans le 450, ben on va avoir des histoires de 450. Là. C'est pas du tout péjoratif. Là. C'est qu'on a d'autres choses à dire. C'est qu'on a une autre vision de la vie, on a un autre mode de vie. Puis c'est aussi intéressant à voir au cinéma.